quatrième stade commence quand votre vigilance s'étend jusqu'à percevoir le souffle dans chacun de ces moments. Vous reconnaissez l'inspiration à son tout début, quand la première sensation d'inspiration se présente. Ensuite, vous observez le développement graduel des sensations pendant tout le temps de l'inspiration, sans les manquer, ne serait-ce qu'un seul instant. Quand l'inspiration se termine, vous en êtes conscient. Vous voyez dans votre esprit ce dernier instant d'inspiration. Ensuite, vous voyez le moment suivant de pause entre inspiration et expiration, puis d'autres moments de pause avant que l'expiration ne commence. Vous voyez le premier moment d'expiration et toutes les sensations qui s'ensuivent dans l'évolution de l'expiration, jusqu'à ce que cette dernière disparaisse quand sa fonction prend fin. Tout cela en silence et dans l'instant présent. Peut atteindre ce stade par la seule force, en contrôlant ou en s'accrochant à l'objet de méditation. On ne peut atteindre ce degré de tranquillité qu'en abandonnant toute chose dans l'univers tout entier, excepté cette sensation instantanée du souffle qui se présente dans le silence. En réalité, ce n'est pas vous qui atteignez ce stade, c'est le mental. Le mental fait le travail lui-même. Il reconnaît cette étape comme un lieu de résidence très paisible et très agréable, où l'on est seul avec le souffle. C'est là que l'acteur est cette partie de l'esprit qui se consacre à l'action, par opposition au spectateur qui observe seulement. L'acteur, constructeur de la maison, cause importante de souffrance, s'efface en jhana. Donc, c'est là que l'acteur, qui représente la majeure partie de l'ego, commence à disparaître. On s'aperçoit qu'à ce stade de méditation, la progression s'effectue sans effort. Il vous suffit de ne pas rester dans le passage, de laisser faire et d'observer ce qui se passe. L'esprit, pourvu qu'on le laisse faire,
tendra automatiquement vers une unité simple, paisible et délectable. Cette unité qui consiste à être seul avec un unique objet, seul avec le souffle à chaque instant. C'est l'unité de l'esprit, l'unité dans l'instant et dans la tranquillité. Le quatrième stade est ce que j'appelle le tremplin de la méditation, car c'est à partir de lui que l'on peut s'immerger dans les états béatifiques. Quand on se contente de maintenir l'unité de la conscience sans intervenir, le souffle commence à disparaître. Le souffle semble se retirer, tandis que l'esprit se focalise plutôt sur ce qui est le centre de l'expérience du souffle, une paix, une libération et une félicité extraordinaire. À ce stade, j'introduis le terme de souffle magnifique. C'est là que l'esprit reconnaît l'extraordinaire beauté de ce souffle paisible. On est conscient de ce souffle magnifique continuellement, instant après instant, sans aucune rupture dans la chaîne de l'expérience, conscient uniquement de ce souffle magnifique, sans effort et très longtemps. Comme nous le verrons plus tard, quand le souffle disparaît, tout ce qui reste, c'est le magnifique. C'est une beauté désincarnée qui devient le seul et unique objet de l'esprit. L'esprit est en train de prendre l'esprit comme objet. On n'est plus conscient du souffle, du corps, de la pensée, des sons ou du monde extérieur. Tout ce dont on est conscient, c'est de la beauté, de la paix, de la félicité, de la lumière. Quel que soit le nom que l'on mette ensuite sur cette perception, on ressent seulement la beauté, continuellement, sans effort, et sans rien qui soit beau. On a laissé tomber depuis longtemps le bavardage, les descriptions, les opinions. Ici, l'esprit est si tranquille qu'il ne peut plus rien dire. Il commence seulement à ressentir les premières inflorescences de la béatitude, une béatitude qui va se développer, croître et devenir très ferme. Et très puissante.
pourra entrer dans un de ces états de méditation, appelés les jhanas. J'ai décrit les quatre premiers stades de méditation. Chaque stade doit être bien développé avant de passer au suivant. Je vous recommande de prendre tout le temps qu'il faudra pour ces quatre stades initiaux, de façon à les rendre solides et stables avant de continuer. Vous devriez pouvoir demeurer aisément au quatrième stade, la vigilance pleine et soutenue sur le souffle, à chaque instant de la respiration, sans aucune interruption pendant 200 à 300 va-et-vient du souffle successif. Je ne dis pas qu'il faut les compter pendant ce stade. Je donne une simple indication de la durée approximative que l'on devrait passer au quatrième stade avant d'aller plus loin. Comme je l'ai déjà dit, en méditation, la voie la plus rapide est celle de la patience vigilante.